Bonsoir à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est bien sûr votre émission Le Retour à la Parole. Donc nous sommes une fois de plus heureux de vous compter parmi nous. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde encore d'être en vie, d'être en bonne santé, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous encourager par la parole. Donc, je nous invite à la prière pour quelques secondes et nous allons commencer notre enseignement du jour. Seigneur Yeshua, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour cette émission, merci pour toutes les personnes qui nous suivent et qui nous reçoivent chez elles. Dispose nos cœurs encore à recevoir ta parole, à écouter ta parole au nom de Yeshua. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, nous allons partager aujourd'hui sur le thème qui porte sur le combat spirituel. Pourquoi, en fait, nous allons parler du combat spirituel? Parce que le combat spirituel est une notion qui est généralement mal comprise dans nos assemblées. Et dans la semaine, le Seigneur me parlait du combat spirituel, Et je souhaiterais qu'on somme nous partagions sur ce thème parce qu'on a davantage besoin de comprendre qu'est-ce que le combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens perdent tellement de temps. Ils perdent le temps parce qu'ils ont mal compris ce qu'est le combat spirituel. Un petit cafard passe à la maison, on voit le feu. La souris passe derrière la maison, on invoque le sang de Jésus. Il y a un petit bruit sur la toiture durant la nuit. On va invoquer le feu, tout ça, on va prier pour nos parents qui sont dans les villages, on va leur envoyer le feu, on va les envoyer le feu autant pour moi, on va invoquer le sang. Et si la notion du combat spirituel n'est pas bien comprise, on va faire beaucoup de dégâts, on va devenir des sorciers. Parce que justement, il y a des ministères même qui sont dédiés sur le combat spirituel. Et tous ces ministères passent beaucoup plus de temps dans le combat. On combat le matin, plutôt on combat la nuit. Il y a même des heures qu'on a décidé, n'est-ce pas, de minuit à 3h du matin. On a dit que c'est à cette heure-là où les sorciers travaillent tellement. Donc il faut se lever, il faut combattre. Il y a des gens qui prennent la gibecière de David, qui envoient sur leurs ennemis. Et on comprend que la notion du combat spirituel est très très mal comprise. Donc, par la grâce du Seigneur, on va parler du combat spirituel. On va prendre un passage dans Genèse chapitre 3 pour commencer. On va prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 3, on va lire le verset 15. Donc, Genèse chapitre 3, on va lire à partir du verset 15. Donc, on parle du combat spirituel parce qu'on a besoin d'être édifié sur cette question. Donc, Genèse, chapitre 3, à partir du verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Donc, on va enlever le passage un instant. Ici, le Seigneur parle au serpent. Il parle à Satan, qui est le destructeur de nos des nations, qui est l'adversaire des hommes, des humains. Il va dire, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Alors, la première chose qu'on doit retenir ici, c'est qu'on nous parle de deux postérités. On nous parle de la postérité du serpent. Et on nous parle de la postérité de la femme. Alors, postérité ici est mise au singulier. Parce que la postérité de la femme nous parle d'abord premièrement du Mashiach, de Yeshua. Et la postérité du serpent, n'est-ce pas, nous parle de Satan, de descendants, de la descendance de Satan. De tous ceux qui sont descendants du mal, de tous ceux qui sont descendants, qui sont issus de Satan. Donc, on peut parler de Jézabel, on peut parler du faux prophète, on peut parler de tous ceux qui descendent de Satan, qui sont de la semence de l'ivraie. Donc, la postérité, n'est-ce pas,
de la femme nous parle du blé, en quelque sorte, mais nous parle alors prophétiquement du Seigneur Yeshua. La postérité de la femme nous parle aussi par extension de l'Église. Donc là, c'est la première chose qu'on doit retenir. Le combat spirituel met en évidence deux postérités. La postérité de la femme qui nous parle d'Israël, qui a donné naissance au Machia, et la postérité du serpent qui a donné naissance à tout ce qui est déviance. La postérité du serpent qui a donné naissance, n'est-ce pas, à la bête, au faux prophète, au démon, à tout ce qui est impie, tout ce qui est de l'impie, tout ce qui est de l'ivraie. Donc, ici, c'est la première chose qu'on doit retenir. Donc, le combat spirituel met en évidence deux royaumes. Le royaume de Yeshua, d'une part, et le royaume de Satan, d'autre part. Donc, il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, merci les frères. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, premièrement, n'est-ce pas, cette inimitié concerne d'abord Satan et Israël, la femme, n'est-ce pas? Et deuxièmement, entre ta postérité et sa postérité. Donc, la postérité du serpent, c'est tous ceux qui sont issus du diable, de Satan. Et la postérité de la femme, c'est tous ceux qui sont issus du Seigneur Yeshua. Donc, la postérité de la femme, c'est d'abord le Seigneur Yeshua, mais c'est aussi tous les enfants d'Élohim, tous ceux qui sont nés de nouveau. Les frères, remettez le passage encore un instant, s'il vous plaît. Donc, je mettrai inimitié. L'inimitié nous parle de quoi? De la colère. L'inimitié nous parle, n'est-ce pas, de la confrontation. L'inimitié nous parle de la guerre. L'inimitié, n'est-ce pas, nous parle des ennemis. Donc, nous sommes ennemis avec le royaume des ténèbres. N'est-ce pas? Nous sommes adversaires. L'inimitié nous parle de l'adversaire. Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, on va cliquer sur le petit foie qui est mentionné sur femme. Si les frères peuvent cliquer sur le petit foie. Donc, la femme représente en premier lieu Shava, donc Ève, la mère de tous les vivants. Ici, elle représente aussi Israël, l'épouse de Yahweh, selon Genèse 3. Donc, on va aussi cliquer sur le petit 5 qui est marqué sur postérité. La postérité de la femme, le petit 5 s'il vous plaît. La postérité de la femme regroupe Yeshua HaMashiach, homme, selon Esaïe 7, 14, et aussi l'assemblée, donc l'église, le corps du Mashiach, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va enlever le passage. Donc ici, on nous parle de la postérité de la femme. Donc la femme, c'est d'abord bien sûr Ève, Shava, qui est la mère de tous les humains, comme on l'a vu. Mais la femme aussi, la femme, n'est-ce pas, je viens de le préciser, merci. La femme nous parle d'abord de Shava, donc de Ève, qui est la mère de tous les humains. Et prophétiquement, la femme aussi nous parle de Israël, comme on l'a vu tout à l'heure, de qui est descendant le Mashiach, mais aussi l'église, l'assemblée. Donc, je tiens à bien poser les jalons de notre enseignement. La femme, c'est qui? C'est d'abord Shava, qui est la mère de tous les humains. Mais la femme, c'est aussi qui? C'est aussi Israël qui a donné naissance au Mashiach. Par extension, la postérité de la femme, c'est Mashiach, donc Yeshua, c'est aussi l'Église. Donc, la femme, c'est d'abord Shava, Ève. La femme, c'est aussi Israël qui a donné naissance au Mashiach. Et la postérité de la femme dont il s'agit ici, c'est d'abord Yeshua, homme, qui est issu de la tribu de Judas, de Yehuda. Et la postérité de la femme, c'est aussi l'Ecclésia, l'Assemblée, l'Église du Mashiach. Donc, c'était important qu'on comprenne les deux postérités. Et de l'autre côté, on a la postérité du serpent, on a Satan, on a les démons, on a les vrais, on a tous les descendants du mal. Et on peut comprendre que Caïn aussi était une image de la descendance du serpent. Donc la descendance du serpent nous parle de faux prophètes, nous parle de Jézabel, nous parle de tous les serviteurs de Satan. Donc ça, c'est la première base qu'il faut
poser. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce qu'on va comprendre ici que le combat dans lequel nous sommes engagés n'a rien à voir avec notre prochain. C'est important de le comprendre. Donc ici, le combat spirituel concerne les deux postérités. La postérité de la femme d'un côté et la postérité du serpent d'un autre côté. Alléluia. Et le Seigneur va dire ici que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité. Donc il y aura adversité, il y aura combat, il y aura lutte, il y aura guerre, il y aura combat entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc le combat spirituel ne concerne pas ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que dans malheureusement nos assemblées, on nous amène à haïr, à détester nos parents, nos familles. Parce que quoi? Parce que selon certains de ces pasteurs, nos parents seraient dans la sorcellerie. On va le voir durant l'enseignement, on va vraiment prendre tout notre temps. De comprendre que le combat spirituel est ce combat premièrement qui met en évidence les deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Alléluia. On va remettre encore le passage un instant, s'il vous plaît, les frères. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Alors ici, on dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. On va enlever, n'est-ce pas, le passage. On dit celle-ci t'écrasera la tête. Cette action, n'est-ce pas, a eu lieu à la croix de Golgotha. En effet, à la croix, le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, a écrasé la tête du serpent. C'est pourquoi justement à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Parce que la tête nous parle de quoi? La tête nous parle de l'autorité. La tête nous parle du chef. Donc on apprend ici que dans ce combat spirituel, dans cette lutte, n'est-ce pas, Yeshua a déjà écrasé la tête du serpent. Donc Yeshua, n'est-ce pas, nous donne la victoire dans ce combat parce qu'il a écrasé la tête. Et vous savez qu'un corps sans tête ne peut pas réfléchir. Un corps sans tête, n'est-ce pas, ne peut pas voir, ne peut pas parler. Un corps sans tête ne peut pas entendre. Un corps sans tête est un corps qui est paralysé. Et justement, la première chose qu'on peut comprendre ici, c'est que la tête du serpent a déjà été écrasée. Lors de la mort de Yeshua à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici dans le jeu de Dieu? Que dans cette guerre de deux postérités, nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. Donc, notre combat aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est plus question d'envoyer le feu, d'envoyer le sang, de détruire nos ennemis. Parce qu'on apprend ici que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Et cette action, cette prophétie s'est accomplie à la croix de Golgotha. Donc par sa mort à la croix, le Seigneur Yeshua a écrasé la tête du serpent, il a écrasé la tête de Satan. Donc Satan combat contre nous, mais il combat dans la défaite. Pourquoi? Parce que sa tête a été écrasée. Et tête, en grec, nous parle de képhale. Képhale nous parle du chef, de l'autorité, de la puissance. Donc la puissance, l'autorité, n'est-ce pas? La tête de Satan a été écrasée. Il ne le reste plus que le corps. Et le corps, c'est ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Les démons qu'il peut envoyer ici, n'est-ce pas, pour un peu fatiguer les enfants du Seigneur. Mais la tête a déjà été coupée, chrétien. Donc nous devons réaliser que dans ce combat spirituel, nous sommes déjà vainqueurs. Parce que la tête du serpent a été écrasée. Là, c'est la première chose que nous devons comprendre et réaliser dans le combat spirituel. Donc là, on est dans l'introduction. Que le combat spirituel, c'est d'abord ce combat qui met, n'est-ce pas, en évidence les deux postérités, les deux royaumes. Le royaume du Machia, de Yeshua, et le royaume de Satan, qui est représenté par la ténèbre. Donc le combat spirituel met en évidence deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume de la ténèbre. Le royaume de Yeshua et le royaume de Satan. La descendance de Yeshua, la descendance des enfants d'Elohim et la descendance de Satan, les impies, les démons,
et toutes les divinités qui travaillent, n'est-ce pas, sous l'ordre de Satan. La deuxième chose qu'on doit retenir dans le combat spirituel, c'est que la postérité de la femme a déjà écrasé la tête du serpent. Satan n'a plus d'autorité. Il n'a plus de puissance et de pouvoir contre l'Église, contre la descendance de la femme qui est l'Église. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Yeshua a écrasé la tête du serpent. Donc, frère, selon ce combat spirituel, nous allons déjà d'office en ayant la victoire. Alléluia. On va remettre le passage un instant de Genèse 3, qui est le passage introductif. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Donc on va encore lever le passage. Donc on apprend que dans ce combat spirituel, n'est-ce pas, le serpent et sa postérité vont quand même mordre le talon de la descendance de la femme. Et cela bien sûr eut lieu d'abord à la croix. On a vu, n'est-ce pas, que Satan, par ses manigances, a permis que le Seigneur Yeshua soit crucifié. Bien sûr, il faut le préciser que cela faisait partie du plan parfait d'Elohim, que Yeshua aille à la croix. Mais on a vu que c'est Satan qui a tout mis en place pour que Yeshua aille à la croix. Il est rentré dans le cœur de plusieurs hommes. Il est rentré dans le cœur, n'est-ce pas, notamment de Judas. Il est rentré dans le cœur des sacrificateurs du peuple, n'est-ce pas, pour justement mordre le talon du Mashiach. Et cette morsure nous parle de quoi? Elle nous parle de la mort physique du Mashiach. Donc, le talon qui était mordu nous parle de la mort physique du Mashiach. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que cette mort physique était dans le plan d'Elohim. Et cette mort physique a eu pour conséquence que la tête du serpent était écrasée. Parce qu'il faut d'abord que Yeshua meure. Et en fait, qu'il descende dans les régions inférieures de la terre, qui descendent dans les enfers pour aller arracher les clés de la mort et du séjour de mort à Satan. Donc, premièrement, le talon de Yeshua, de la descendance de la femme, a été mordu par la mort physique du Mashiach. Et deuxièmement, cette morsure nous parle de quoi? Elle nous parle aussi, n'est-ce pas, de toutes les attaques que Satan peut, n'est-ce pas, envoyer contre l'église du Seigneur, contre les enfants du Seigneur. Et on apprend quoi? Le talon, c'est le bas du pied. Donc on apprend ici que Satan peut, parfois, parce que le Seigneur a destiné les choses comme ça, peut nous toucher un tout petit peu, mais ça s'arrête juste au talon. Ça veut dire que ce que Satan peut nous faire est tellement infirme, est tellement faible, parce qu'il a juste reçu la capacité de nous mordre le talon. Donc, il peut nous mordre le talon, n'est-ce pas, par des combats, par des coups, enfin, qu'il peut nous mettre dans ce combat spirituel. Mais nous, on apprend, n'est-ce pas, que par Yeshua, nous écrasons la tête du serpent. Et n'oublions pas que la tête, c'est l'autorité. Mais le talon, c'est rien que le bas du pied. Et même, encore, merci Seigneur, de façon prophétique, le Seigneur a dit que le ciel est son trône et la terre est son marche-pied. Donc, quelque part, encore, on comprend même que lorsqu'il veut nous mordre le talon, n'est-ce pas, nous, on écrase vraiment sa tête parce qu'on a reçu la puissance, la domination par notre Seigneur Yeshua. Donc, là, c'était en guise d'introduction pour qu'on comprenne c'est quoi le combat spirituel. Le combat spirituel n'a rien à voir avec haïr, envoyer le feu à son prochain, à son ennemi sur le plan physique. On le verra tout au long de notre partage. Alors, ça fait en guise d'introduction sur le combat spirituel. On va encore prendre un autre passage dans 1 Timothée 4. On est toujours en train de définir ce qu'est le combat spirituel. Parce que si on ne le définit pas, si on ne le comprend pas, on risque d'aller en besogne. 2 Timothée, n'est-ce pas, chapitre 4, à partir du verset 7. Donc, on est tout sur l'introduction. Donc, on a vu que le combat spirituel est ce combat spirituel qui met en évidence deux royaumes, le royaume de la lumière contre le royaume de la ténèbre, n'est-ce pas, représenté par le Mashiach, par Satan, par l'Église, qui font partie du royaume de la lumière. 2 Timothée 4, on lira à partir du verset 7. Donc, c'est Paul qui parle ici. Il va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. On va enlever le passage.
Donc Paul ici va dire, j'ai combattu le bon combat. Donc la deuxième définition du combat spirituel, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est le bon combat de la foi. Donc le combat spirituel n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on nous enseigne dans nos assemblées. À prier, n'est-ce pas, on voit le feu matin, midi et soir, sur les sorciers au village et tout ça. Donc Paul ici dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc c'est quoi le combat spirituel? C'est le bon combat de la foi. Pourquoi, n'est-ce pas, on peut dire que le combat spirituel, c'est le bon combat de la foi? Parce que justement, on est engagé dans une lutte spirituelle. Le combat spirituel commence à partir de quel moment? Le combat spirituel commence à partir du moment où on accepte le Seigneur Yeshua. Donc à partir de ce moment, Satan fera tout pour nous faire sortir de la foi. Satan fera tout pour nous égarer, pour nous faire chuter dans le péché. C'est pourquoi le combat spirituel, frère, c'est le combat de la foi. C'est ce combat qui nous amène à conserver, à garder notre foi. Donc Paul dit ici, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Donc j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. On va enlever le passage. Voici encore ce qu'on peut dire concernant le combat spirituel. C'est le fait de garder la foi. Parce que regardez toutes les manœuvres que Satan met en place contre nous. C'est pas pour nous châtier, c'est pas pour nous chatouiller. Toutes les manœuvres que Satan met en place contre nous, c'est pour nous faire retenir dans le monde, c'est pour nous faire perdre la foi. Donc on combat que le combat spirituel est ce combat qui nous amène à garder la foi. Pourquoi on parle de combat spirituel? Parce que justement, comme on le verra tout au long de notre enseignement, c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et que Satan aussi ne nous attaque pas toujours de façon physique, il nous attaque d'abord de façon spirituelle. Il nous attaque d'abord en esprit. Et aussi de façon physique. Donc voici pourquoi ce combat est spirituel. Parce que la foi même, la foi est spirituelle. La vie chrétienne est spirituelle. La foi en Yeshua est spirituelle. Voici pourquoi on parle de combat spirituel. Parce qu'on ne se bat pas avec nos coups de poing, nos pieds, nos mains. On combat avec les armes spirituelles. Amen. Donc voilà comme ça ce qu'on pouvait voir en introduction. Sur la notion du combat spirituel. J'ai insisté sur cette notion, pourquoi? Parce que si on ne la comprend pas bien, on va perdre beaucoup de temps. On a vu que Satan a perdu son autorité à la croix parce que Yeshua a écrasé sa tête. Donc dans ce combat spirituel, on ne doit pas perdre plus de temps que cela parce que nous sommes déjà vainqueurs. Alors on va évoluer, donc on va voir les stratégies que Satan utilise dans ce combat spirituel. Parce que justement, on a vu que le combat spirituel, c'est le fait de combattre pour conserver la foi. Alors dans ce combat, Satan met en place, n'est-ce pas, des actions, des œuvres, des stratégies. Il met en place, n'est-ce pas, des projets pour nous faire dévier par rapport à la foi. Donc on va d'abord prendre un passage dans 2 Corinthiens 2. Donc, on est dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, premièrement, on va parler des projets de Satan. Donc, on est sur le combat spirituel. On est dans 2 Corinthiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 11. On va donc voir les projets de Satan. Donc, on peut remonter à partir du verset 10, ouais. À partir du verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence du Mashiach, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. On peut enlever le passage. Paul ici parle aux chrétiens de Corinthe, il dit, frère, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Les desseins de Satan nous parlent de quoi? De ses projets pour nous. Donc, chrétien, dans ce combat spirituel, on doit comprendre que Satan et sa postérité, n'est-ce pas, ont des projets pour nous, chrétiens. Paul parle ici clairement de ses mauvais desseins. Il parle de mauvais desseins. Un dessein, c'est quoi? Un dessein, c'est un plan. C'est une stratégie, c'est une manœuvre qui a été arrêtée, n'est-ce pas, par un conseil ou par un gouvernement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, un dessein, c'est un plan. C'est un conseil qui a été arrêté par un gouvernement. Pour ça, on a envie de son accomplissement.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Satan, il a des mauvais plans, il a des mauvais projets pour nous. Pendant que nous dormons, pendant que nous négligeons la prière, pendant que nous négligeons la méditation, pendant que nous négligeons notre foi chrétienne, Satan, lui, il a des mauvais desseins, des mauvais plans pour nous. Car le plan de Satan, son projet principal, c'est de nous détruire, c'est de nous atteindre, c'est de nous faire sortir de la foi en machia. C'est à partir de cet instant, n'est-ce pas, que le combat spirituel tient tout son sens. C'est pas contre les humains. Nous combattons contre un royaume invisible dont l'objectif, dont le dessein a été arrêté depuis la fondation du monde pour nous atteindre, pour nous détruire, pour nous sortir de la foi chrétienne. Donc Paul ici dit que nous n'ignorons pas, n'est-ce pas? Remettons un peu le passage un instant, s'il vous plaît, frère. Il dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ces mauvais desseins. On peut enlever le passage. Donc il dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. Frère, si nous commençons à donner à Satan le dessus, il va nous détruire parce que ces desseins pour nous sont terribles. Ces plans, ces projets pour nous sont terribles. Donc nous parlons ce soir du combat spirituel. Donc là, nous commençons à voir les projets, les desseins de Satan pour nous dans ce combat spirituel. On apprend déjà ici que Satan a des mauvais desseins, Satan a des mauvais plans pour nous. On va prendre encore notre passage dans Jean chapitre 10. Donc on est dans Jean chapitre 10, on va lire à partir du verset 10. Donc on parle des mauvais plans, des mauvais, des projets de Satan pour nous. Parce que beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont naïfs. Beaucoup de chrétiens négligent le combat spirituel, le véritable combat spirituel qui est celui de conserver sa foi. Pour s'arrêter sur les futilités, envoyer le feu à nos ennemis, à nos adversaires, alors que la parole ne nous le recommande pas. Jean chapitre 10, on lira à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait même en abondance. On va enlever le passage. Donc ici, Yeshua nous apprend que le voleur qui est Satan ne vient que pour dérober. Égorger, non, dérober, détruire et tuer. Donc le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Merci frère, on va enlever le passage. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Frère, voici le projet de Satan pour toi et pour moi. Il veut voler quoi en nous? Il veut voler en nous la présence du Seigneur. Il veut voler quoi en nous? Il veut voler en nous la sainteté. Il veut voler quoi nous, notre vie de prière et de méditation. Pourquoi? Parce que Satan est conscient que pour nous atteindre, il doit premièrement nous faire sortir de la présence d'Elohim. Amen. Donc on dit que le voleur qui est Satan ne vient d'abord que pour voler. Donc l'un des projets, l'un des mauvais plans projets de Satan pour toi et moi, c'est de voler nos vies de prière. Voler nos vies de méditation, voler la présence du Seigneur en nous, voler la sainteté, la consécration, parce qu'il est conscient que pour mieux nous atteindre, il faut, comme il a fait avec Adam et Ève, Adam et Chava, il faut les sortir de la présence d'Elohim. Donc, dans les mauvais projets de Satan, dans le vol, Satan veut voler ce que le Seigneur nous a donné à la croix. Qu'est-ce qu'il veut encore voler? Satan veut voler la victoire qu'on a eue à la croix sur le péché. Satan veut voler la victoire qu'on a eu à la croix sur la chair. Satan veut voler à la croix, n'est-ce pas, la rédemption, le pardon qu'on a obtenu à la croix. Et comment fait-il pour voler selon le verra tout au long du partage? Il veut voler selon, n'est-ce pas, nous sortons de la présence du Seigneur. Il veut voler selon nous faisons tomber dans le péché. Parce que justement, n'oublions pas que dans ce combat spirituel, Satan a des mauvais projets, a des mauvais desseins. Donc premièrement, on apprend ici que Satan veut voler, il ne vient que pour voler. Deuxièmement, on a dit qu'il ne vient que pour tuer. Ah frère, c'est Yeshua lui-même qui l'a dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler comme on l'a vu. Deuxièmement, il vient pour tuer. Donc l'objectif de Satan, c'est de nous tuer. Nous tuer premièrement spirituellement. Il veut nous tuer spirituellement. Et pour nous tuer spirituellement, il veut nous sortir de la présence du Seigneur. Pour nous tuer spirituellement, n'est-ce pas? Il veut nous amener à négliger les choses du Seigneur. Deuxièmement, ou troisièmement, pour nous tuer spirituellement, n'est-ce pas? Il veut nous faire tomber dans le péché. Il veut nous faire tomber dans les fausses doctrines.
Parce que justement, pour nous tuer spirituellement, Satan a besoin de nous faire tomber dans le péché, veut nous faire tomber dans les fausses doctrines. Et comment Satan projette, n'est-ce pas, ou procède pour nous tuer, n'est-ce pas, c'est parfois aussi en nous faisant signer de mauvaises et de fausses alliances. Alliance d'amitié, alliance de mariage, alliance de collaboration par rapport à l'œuvre. Vous voyez, ces différentes alliances-là, Satan les utilise pour nous tuer, pour nous sortir du plan, du projet d'Elohim pour nos vies. Il projette par des mauvaises, par des fausses alliances. Donc, alors il peut, n'est-ce pas, amener à tes côtés les parents qui vont, n'est-ce pas, vouloir réclamer ton amitié, mais qui sont des envoyés de Satan pour t'amener à sortir du plan d'Elohim. Deuxième, il peut te faire contracter, te faire rentrer dans un faux mariage avec l'une de ses servantes ou avec l'un de ses serviteurs. Cette personne va détruire ta vie entièrement. Et vous savez que le mariage est une alliance qui ne peut être rompue que par la mort premièrement. Que par la mort. Parce que le divorce et le remariage, le Seigneur ne l'autorise pas. Et Satan aussi, n'est-ce pas, procède par des alliances de collaboration par rapport à l'œuvre. Il y a des frères qui vont décider, qui vont s'approcher de toi pour vouloir travailler avec toi, collaborer par rapport à l'œuvre. Mais ce seront, n'est-ce pas, des faux frères qui vont vouloir te faire tomber dans tous les vices possibles. Donc Satan, n'est-ce pas, procède par des fausses alliances pour nous tuer. Pour tuer la vie du Seigneur en nous. Et troisièmement, son projet, son mauvais dessein est de nous détruire. Lorsqu'on parle de détruire, c'est de nous anéantir totalement. L'objectif de Satan pour nos vies, ce n'est pas de nous faire tomber dans le péché et qu'on se relève. C'est de nous détruire totalement. C'est que lorsqu'on connaîtra la chute, on ne se relève plus jamais. C'est pourquoi, chrétiens, considérons quel est le véritable combat spirituel. C'est le combat, le bon combat de la foi. C'est celui, n'est-ce pas, que nous devons mener quotidiennement pour garder notre foi chrétienne en Yeshua. Et on voit ici que Satan, son plan, son projet est de dérober, de voler en nous la présence du Seigneur, nos vies de prière, nos vies de méditation, de voler ce que le Seigneur nous a donné à la croix par sa mort. C'est aussi, n'est-ce pas, de nous tuer sur le plan spirituel, mais s'il peut aussi le faire de nous tuer même physiquement. Parce qu'il sait que si on est vivant, on va déranger, n'est-ce pas, son royaume. Et troisièmement, l'objectif, le plan de Satan est de nous détruire, de nous éradiquer totalement de la surface de la terre. N'est-ce pas, de nous détruire de telle sorte qu'on ne parlera plus jamais de nous. Voici, n'est-ce pas, dans ce combat spirituel, les plans, les projets de Satan pour chacune de nos vies. Il veut nous détruire. Il veut voler en nous ce que le Seigneur nous a donné à la croix. Il veut voler notre identité. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur identité. Parce que justement, Satan vient voler notre identité. Il veut nous amener, n'est-ce pas, à réaliser que nous devons avoir peur des cafards, avoir peur des rats, avoir peur des chats. Il faut invoquer le feu à tout bout des champs. Il faut, n'est-ce pas, invoquer le feu sur les sorciers au village. Ça, c'est parce qu'on a perdu notre identité. Satan vient justement pour voler notre identité de chrétien. Parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes en Yeshua. Qu'est-ce que Satan peut-il nous faire? La seule chose qui peut donner à Satan le pouvoir dans nos vies, c'est lorsqu'on ouvre des portes par le moyen du péché. Lorsqu'on vit dans la sanctification, lorsqu'on vit dans la crainte du Seigneur, Satan ne peut pas nous détruire, Satan ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Donc, deuxièmement, on a parlé, après l'introduction, on a parlé des desseins, des projets de Satan, de l'ennemi pour nos vies. Son objectif est de nous sortir de la parole du Seigneur comme on vient de le voir. Et on a vu selon 2 Corinthiens 2, verset 11, que Satan a des mauvais desseins pour nous. C'est pourquoi, chrétiens, ne perdons pas du temps à nous réveiller à 3, 4 heures du matin pour invoquer le feu sur le voisin qui pratique la sorcellerie. Non! Réalise ton identité, réalise ta position, Machia. On va prendre un passage dans Matthieu chapitre 5. On est dans Matthieu chapitre 5. On est dans Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 5, on va lire à partir du verset 44. Matthieu 5, à partir du verset 44. Matthieu 5, à partir du verset 44. À partir du verset 43, pour meilleure compréhension. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Donc je vais relire. Donc il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. On va lever le passage. Le Seigneur dans le combat spirituel nous donne des armes. L'une des armes que le Seigneur nous donne dans ce combat spirituel, c'est l'amour. Il dit, premièrement, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Voici un principe fondamental dans ce combat spirituel. Nous ne devons pas maudire nos ennemis. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, quelqu'un te maudit, la parole te demande de le bénir. Donc, dans ce combat spirituel, si tu commences à maudire ton ennemi, en lui disant, je te maudis, tu vas mourir, tu vas chuter, tu vas faire l'accident, le Seigneur ne peut pas agréer cette prière. Et justement, dans nos assemblées, on nous apprend à maudire nos ennemis. Mais on apprend ici que le Seigneur dit clairement, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Dans ce combat spirituel, nous n'avons pas à maudire. Arrête de maudire ton voisin qui te veut du mal, qui te maudit. Arrête de maudire ton père, ta mère qui t'a accouché, qui t'a porté, ta maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Alléluia. Le Seigneur nous recommande ici donc d'aimer les sorciers. Dans le combat spirituel, nous devons aimer nos ennemis, nous devons aimer le méchant, nous devons aimer le sorcier. Que ton père, que ta mère, que ton grand-père, que ta cousine, que ton neveu, que ta nièce, que ta tante soit sorcière ou soit sorcier, le Seigneur te demande de le bénir. Pourquoi? Parce qu'en bénissant ton prochain, tu l'exposes justement au jugement du Seigneur. Parce que le Seigneur a été clair dans sa parole. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Fais pas à nous de nous venger de ceux qui nous veulent du mal. Fais pas à nous, n'est-ce pas, de chercher une quelconque vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On doit laisser la vengeance du Seigneur agir sur ceux qui nous font du mal. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les bénir, nous devons prier pour eux. Donc, une arme que le Seigneur nous donne dans le combat spirituel, c'est l'amour, c'est de bénir ceux qui nous maudissent. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? On va remettre le paragraphe sur l'écran. Donc, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On va encore lever le passage. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le passage est clair. Ceux qui veulent te détruire, qui veulent ton mal, viens te demander de leur faire du bien. Si ces personnes sont en difficulté et que tu as la capacité de pouvoir leur venir en aide, la parole te recommande de leur venir en aide. Certainement que beaucoup sont déçus de la façon dont on aborde le combat spirituel, parce qu'il verra, il s'attendait certainement à ce qu'on dise que le combat spirituel, c'est invoquer le feu, c'est être là, se réveiller à minuit pour prier, n'est-ce pas, pour combattre. Non. Voici les clés ici du combat spirituel. Premièrement, il dit, aimez vos ennemis. Une des premières armes que le Seigneur nous donne, c'est l'amour. Deuxièmement, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Troisièmement, il dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Tu as la capacité de faire du bien à ton prochain qui est dans la sorcellerie. Fais-lui du bien. Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer sur ce passage? On va le remettre. Il dit, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et qui vous persécutent. On va enlever le passage. Donc, il demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Bon, frères et sœurs, quand le Seigneur nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, est-ce qu'il nous demande de prier pour qu'ils meurent, de prier, n'est-ce pas, pour que le jugement du Seigneur tombe sur eux? Est-ce qu'il demande de prier, n'est-ce pas, pour que le feu les consume? Il demande de prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous accusent faussement. De prier pour que le Seigneur se révèle à eux. De prier pour que le Seigneur leur fasse grâce. Vous ne verrez nullement dans la Bible, n'est-ce pas, le Seigneur en train de recommander à ses disciples d'invoquer le feu et le sang. On va par contre prendre Luc chapitre 9 à partir du verset 53. On va prendre Luc 9 à partir du verset 53. On va voir d'où vient. Donc Luc, on va lire le chapitre 9 à partir du verset 53. Donc on va voir que tous ces pasteurs qui nous incitent à invoquer le feu, tous ces pasteurs qui nous incitent à maudire nos ennemis, on va voir de quel esprit ils sont animés. Dans Luc 9, on va lire à partir du verset 51 même.
Luc 9, on va lire à partir du verset 51. Or, il arriva comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il a fermé sa face pour aller à Jérusalem. Il envoie devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Verset 53. Mais ils ne le reçurent pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. 54. Et voyant cela, les disciples, Jacob et Johannan dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élie ?» Verset 55. Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante et disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Verset 56. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. On va enlever le passage. Merci, frère. Donc, cette histoire nous parle de ce qu'on vit au quotidien. Les disciples ont dit au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions au feu de descendre de les consumer comme l'a fait Élie, comme l'a fait Élisée ?» Et ça va dire, on a dit que le Seigneur nous a réprimandés de façon tranchante, de façon sévère. Il leur a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Alors, de quel esprit parlait-il? Bien sûr, ce n'était pas l'esprit d'Élohim. Donc, ceux qui invoquent le feu, détruire, consumer leurs ennemis, sont animés de l'esprit du mal, de l'esprit du méchant. C'est clair ici, nous ne savons pas de quel esprit vous êtes animés. De toutes les façons, ce n'était pas l'esprit d'Élohim. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les brebis, mais pour les sauver. Toi qui me regardes, ton père pratique la sorcellerie, par exemple. Ta maman pratique la sorcellerie ou ton grand-père. Alors, est-ce que le Seigneur veut que cette personne décède dans la sorcellerie et aille en enfer, ou le Seigneur veut que cette personne se répande et soit sauvée? Toi, en invoquant le feu pour le détruire, toi, en le maudissant, toi, en faisant des prières comme quoi, je bloque son ventre, je détruis sa vie, j'invoque la carabine spirituelle, j'invoque le fusil du Très-Haut pour le détruire. Est-ce que crois-tu que c'est l'esprit d'Élohim qui t'anime à ce moment? C'est un esprit de haine, c'est un esprit de vengeance. Mais le Seigneur ne demande pas de combattre dans la vengeance et dans la haine. Il a dit à lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution. Donc on voit ici que dans le combat spirituel, il n'est nullement recommandé d'invoquer le feu sur ses ennemis. Parce que ceux qui invoquent le feu sous la grâce sont animés de l'esprit du mal, de l'esprit de la haine. On a vu qu'Élie l'a fait sous la loi, n'est-ce pas? Parce qu'on était dans un contexte bien précis. Mais sous la grâce, le Seigneur ne nous recommande plus de le faire. Parce qu'il n'oublie pas que sous la loi, le combat était physique. Mais sous la grâce, le combat est spirituel. Et le Seigneur est venu changer la donne. Aujourd'hui, il nous demande de prier pour ceux qui nous haïssent, qui nous maudissent, qui nous font du mal. Il demande de les bénir, de leur faire du bien. Donc ici, on voit que ceux qui invoquent le feu sont animés d'un esprit de haine. Et frères, sœurs, monsieur, madame, vous qui nous regardez, si on combat dans la haine, on ne peut pas être vainqueur parce que le père de la haine, c'est Satan. Comment voulons-nous aller dans une guerre en combattant avec les armes de notre adversaire? Satan, le premier rancunier. Satan, le père de la haine, du mensonge, de la méchanceté. Comment voulons-nous aller combattre contre Satan avec ses armes? Les armes que le Seigneur nous donne ici, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde. C'est de prier pour nos ennemis, c'est de les bénir, c'est de leur faire du bien. Nous ne pouvons pas aller dans le combat spirituel, combattre spirituellement contre le royaume des ténèbres, dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté. Certainement, cet enseignement le fera en deux phases. Là, on est en train de voir, n'est-ce pas, quelques âmes que le Seigneur nous donne dans le combat spirituel. Et on voit ici que dans le combat spirituel, nous ne devons pas invoquer le feu sur nos ennemis. On va prendre, n'est-ce pas, un autre passage. On est dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, on va lire à partir du verset 6. Donc on va aborder le thème sur le combat spirituel en deux phases par la grâce du Seigneur. 1 Timothée chapitre 3,
on lira à partir du verset 6. Lisons à partir du. On va lire à partir du verset 6. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur, conflit, d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Mais il lui faut avoir un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va enlever le passage. Donc ici, Paul parle par rapport à la charge, par rapport au travail. Il dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Alors, c'est quoi le jugement ici? Le jugement nous parle d'un décret. Le jugement, c'est une décision qui a été rendue, c'est un décret qui a été arrêté. Donc, le décret a été arrêté depuis l'enfer pour détruire tous les chrétiens. On nous parle de jugement du diable, donc des décrets. On nous parle des arrêtés que le Satan, n'est-ce pas, a promulgué, n'est-ce pas, au niveau de l'enfer pour détruire tous les chrétiens. C'est ça le véritable combat spirituel. C'est cette lutte, c'est ce combat pour conserver notre foi. Donc il dit que de peur qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Et on voit que le jugement, lui, c'est les décrets. C'est des arrêtés que Satan, n'est-ce pas, a promulgué en vue d'atteindre les enfants du Seigneur. Et deuxièmement, Paul a parlé de quoi? Il a parlé des pièges du diable. Donc on voit aussi qu'il y a des pièges. Dans le combat spirituel, Satan nous tend des pièges. Et c'est quoi le piège? Un piège, on peut définir un piège comme étant un appât. On peut définir un piège comme étant une fosse. On peut définir un piège comme étant un plan qui a été arrêté, qui a été mis en place pour atteindre quelqu'un. On voit par exemple, n'est-ce pas, lorsqu'on va à la pêche, on a l'hameçon, n'est-ce pas? Et sur l'hameçon, on met quelque chose qui peut attirer le poisson, comme un appât. Donc un piège est comme un appât que Satan met devant nous pour nous atteindre. On va voir, n'est-ce pas, qu'il y a plusieurs appâts que Satan utilise pour nous atteindre, pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Et c'est quoi ces appâts? Donc, on va d'abord définir l'appât. C'est quoi l'appât? L'appât, c'est ces points, ces aspects de nos vies que nous aimions, par exemple, par le passé. Donc, Satan se sert aujourd'hui pour nous atteindre. On va prendre, par exemple, Jacques. On va prendre Jacques, chapitre 1, le verset 14. Jacques, chapitre 1, on va lire à partir du verset 14. Jacques, chapitre 1, on va lire à partir du verset 14. Remontons un peu au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. » Merci. Donc on apprend ici que Satan, pour nous atteindre, Satan pour nous tenter, Satan pour nous faire chuter, il utilise quoi? Un appât par le moyen de notre propre convoitise. De façon simple. Un monsieur, avant sa conversion, qui aimait tellement les femmes, aujourd'hui converti, il ne peut pas s'hasarder à tous les jours, tout le temps marcher avec des sœurs, avec des points de sexe opposés. Pourquoi? Parce que le sexe féminin, n'est-ce pas, la jambe féminine est un appât que Satan peut utiliser pour faire tomber cette personne dans le péché sexuel. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui était tellement esclave de l'argent, ne peut pas en assemblée, par exemple, prendre le risque de vouloir conserver la caisse de l'assemblée. Parce que le fait de conserver la caisse de l'assemblée, où il peut avoir plusieurs montants, peut être un appât que Satan peut utiliser pour le faire chuter dans le vol. Donc on apprend ici que chacun est tenté lorsqu'il est attiré, n'est-ce pas, par un appât, il est attiré. Donc Satan met l'appât pour nous attirer. Cet appât, c'est quoi? Il fait chose que nos cœurs aimaient par le passé. Satan utilise les racines que nous avions par le passé pour nous atteindre. Parce que frère, soyons, il faut qu'on le réalise. La conversion
ne vient pas faire que les faiblesses que nous avions disparaissent par le passé. Non. La conversion vient nous régénérer. La conversion vient nous changer, vient nous transformer. Mais n'oublions pas que la nature animale est toujours là. Donc si tu t'hasardes à négliger, n'est-ce pas, tes faiblesses, Satan utilisera tes faiblesses comme un appât pour t'atteindre, pour te faire tomber dans la convoitise. Et la convoitise va engendrer le péché. Donc l'appât, c'est quoi? L'appât, n'est-ce pas, c'est des mécanismes, c'est des moyens que Satan met en place pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Ça peut être ces choses qu'on aimait par le passé, mais la part aussi peut être, n'est-ce pas, les mauvaises alliances, la part peut aussi être, n'est-ce pas, les situations dans lesquelles Satan peut nous enfermer. Pour être encore plus pratique, ton téléphone portable peut être un appât que Satan utilise. Par ton smartphone, Satan peut te faire tomber dans la pornographie, par exemple. Donc, tu vois que tu dois veiller sur la manière dont tu utilises ton téléphone, parce que ton téléphone peut être un appât. Nos yeux, nos différents sens peuvent être des appâts que Satan utilise pour nous faire chuter. Nos yeux peuvent être des appâts parce qu'on voit. Par nos yeux, on peut convoiter des femmes, on peut convoiter l'argent, on peut convoiter les biens de l'autrui. Donc nos yeux peuvent être un appât que Satan utilise. Nos oreilles peuvent être des appâts que Satan utilise. On nous faisait écouter des choses impures, souillées. Nos bouches peuvent être des appâts, n'est-ce pas? Satan peut utiliser nos bouches pour critiquer, pour mal parler de notre prochain, pour faire du mal. Donc l'appât, c'est quoi? L'appât aussi nous parle de nos cinq sens. Donc l'appât, c'est premièrement, n'est-ce pas, ces faiblesses que nous avions par le passé, ces choses, ces convoitises, ces choses que nous désirons tellement par le passé avant nos conversions. Satan peut utiliser ces choses, les remuer pour nous faire tomber dans le péché. C'est pourquoi nous devons veiller. Deuxièmement, la part, c'est quoi? La part aussi peut être, n'est-ce pas? Satan peut utiliser nos cinq sens comme appât. Satan peut utiliser nos biens comme appât. Satan peut utiliser ce qu'on possède comme un appât pour nous faire chuter. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, l'argent peut être un appât que Satan utilise pour le faire chuter. Quelqu'un qui a beaucoup, n'est-ce pas, de biens, qui a beaucoup de grands biens, Satan peut utiliser cet appât pour le faire chuter dans l'orgueil. Donc on va remettre le passage de Timothée sur l'écran, s'il vous plaît. Donc il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé. Donc Satan nous attire par un appât et ensuite il nous attrape. Par quel moyen? Par le moyen de la convoitise. Verset 15. Il dit, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli, engendre la mort. Donc verset 15, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. On va lever le passage. Donc on apprend ici que, une fois la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant engendré, elle enfante la mort. Donc c'est par ce mécanisme, n'est-ce pas, c'est des pièges que Satan utilise pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous faire sortir, n'est-ce pas, de la foi. Et n'oublions pas que nous sommes en train de parler du combat spirituel. Et on a vu que le combat spirituel, c'est le combat, le bon combat de la foi. C'est combattre pour conserver sa foi. Et on a vu que le combat spirituel met en évidence deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. La lumière et la ténèbre. Yeshua et Satan. Les enfants du Seigneur, les disciples de Yeshua, les disciples et les impies, les enfants de Satan, le blé et l'ivraie. On a vu que dans ce combat spirituel, nous devons, n'est-ce pas, utiliser les armes que le Seigneur nous donne, notamment l'amour, le pardon. On a vu que dans ce combat, on ne doit pas utiliser les armes de Satan. Amen. Donc je crois que par la grâce du Seigneur, on va s'arrêter là pour cette première partie concernant le combat spirituel. Et le vendredi et la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, on verra la deuxième partie concernant le combat spirituel. Et là, n'est-ce pas, on va développer les armes spirituelles, on va développer plusieurs choses pour comprendre que ce combat est un combat acharné. Et chrétiens, pour avoir la victoire dans ce combat spirituel, nous devons être dans la prière. Pour avoir la victoire dans ce combat spirituel, nous devons être au pied du Seigneur. Pour avoir la victoire dans ce combat spirituel, nous devons, n'est-ce pas, veiller. On va prendre ce passage dans Matthieu 28.
Matthieu 28, je crois, verset 41, les frères vont m'aider à le retrouver là-bas. Où il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce n'est pas Matthieu 28, autant pour moi. Matthieu 28 n'a pas le verset 41. C'est dans Matthieu 26, chapitre 26, je crois, dont les frères vont m'aider à le retrouver. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je crois que c'est Matthieu 26 ou Matthieu 27. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible et l'esprit est prompt. Donc les frères vont nous aider à retrouver ce passage. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans... Si on peut enlever le chrono. Donc Matthieu 26, 41. Merci. Matthieu 26, 41, comme on le lisait. Si les frères peuvent afficher le passage sur l'écran. Veillez. Donc, Yeshua va parler à ses disciples. Il va dire, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. On peut enlever le passage. Donc, le Seigneur nous encourage à veiller et prier afin de ne pas tomber, afin de ne pas fléchir face à la tentation. Donc, pour avoir la victoire dans le combat spirituel, nous devons veiller et prier. Est-ce que veiller, donc, il s'agit de faire les veillées de prière? Non, c'est veiller dans la prière. C'est aussi veiller dans la sanctification. C'est aussi veiller dans la crainte d'Élohim. C'est aussi veiller en étant attentif. C'est aussi veiller en étant prudent. C'est aussi veiller, n'est-ce pas, en étant sobre. C'est aussi veiller en étant équilibré. C'est aussi veiller en fuyant la distraction. Donc le Seigneur nous encourage à veiller, à veiller et à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc voilà, frères, c'est ce qu'on pouvait voir concernant cette première partie, concernant le combat spirituel. Donc lors de la prochaine émission, parlera du Seigneur, on verra un autre aspect, d'autres aspects du combat spirituel, notamment Éphésiens 6, je sais que beaucoup attendent cela, et on verra plusieurs choses. Mais pour un premier temps, Dieu va nous ramener à la véritable notion du combat spirituel. Frères, ne parlons pas du temps à combattre contre les sorciers, envoyer le feu ici et là, parce que nous avons... par Yeshua écraser la tête du serpent. Le véritable combat pour nous, c'est de conserver notre foi, parce que Satan met tout en œuvre, met tout en place pour détruire notre foi. Et Jean, dans son épître, a été clair que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voici pourquoi justement Satan fait tout pour vouloir détruire notre foi. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, c'est notre foi. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre foi, dans notre marche chrétienne, c'est notre foi. Si notre foi est touchée, on ne peut plus être agréable au Seigneur. On ne peut plus croire en lui. C'est pourquoi le combat spirituel, premièrement, comme on l'a vu, c'est le bon combat de la foi. Que le Seigneur Yeshua nous bénisse et nous garde à la prochaine pour la suite concernant le combat spirituel. Bonne soirée chez vous.